Casu a changé de micro, il a une voix de petite fille. Ah, j'aurais pas apprécié. Ah merde, on a pas trouvé. Eh, on a trouvé qu'une seule arme sur deux. Ouais, on a fait vraiment un niveau médiocre. Alors, ce break en multi, c'est pour quand, bande de menteurs qui disent des mensonges mensongers? On va dire que le break, c'est genre le jeu le plus difficile à programmer en multi, je crois. PC disponible zéro? T'es sérieux? Ouais, j'ai pas un PC. Ah bah, on a pas eu, vu que il faut trouver toutes les armes ou trouver tous les objets. Bon, attends, j'ai deux PA. Parce que je garde des PA pour la fin. Ouais, moi aussi. Putain, j'étais limite pour le... Ouais, mais je prends pas de PC, là. Point de... Ok. Ouais, ça empêche que je peux avoir... Ah non, j'ai passé. Ouais, j'ai économisé, moi. Donc normalement, ouais, bon, je suis dans les airs. Alors normalement, t'as vu, dans le côté combat, t'as un air combo. Si ça t'intéresse. Ouais, j'ai rien pris. Ah ouais, mais je vais quand même le prendre, c'est que 1. Hein. Voilà. Comme ça, ça te permettra d'y aller. Ah ouais, ça je prends. Je vais garder le dernier. Ce qui fait chier, c'est qu'on n'a pas eu de PC. Ouais, grave. Bon, c'est pas grave, on va en avoir. C'est vrai que là, j'étais bien en plus. J'avais 3 en vie, 6 en force, 3 en précision, 3 en explosif. Changer de micro? Non, j'ai mon casque, c'est tout. Parce que quand je stream, j'ai un micro à main, là. Ah ouais, je suis dans le Twitch game. Il manque plus que le fond vert. Et le. T'as déjà la perruque? Et le siège que tout le monde a là. Tout le monde a le même siège. Ah ouais, fond, putain, moi j'ai. Tu sais que j'en ai profité là avec. Tu sais, c'est le Black Friday là. Ouais. Cette semaine. Et du coup, sur Amazon, je me suis pris un nouveau siège. Laisse tomber. Le mien était complètement défoncé. De toute façon, à chaque fois que je fais. Tu sais, je recule, on l'entend grincer. Je me suis dit, tiens, j'en ai marre d'avoir mal au dos. Je vais peut-être acheter un vrai siège. Voilà, un micro comme Johnny. Oh, micro à main, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Un micro, quoi. Classique. Comme celui-là de Philippe Risoli, là, je le fais tourner et tout. Ah, je peux le faire maintenant. Ah oui, je peux le faire. Oh, ouais. Oui. Ah ouais, c'est vrai que tu montes bien quand même. Tiens, et tu renchaînes, tu peux toujours te maintenir. Ah ouais, ça touchait que en plus. Ça a coûté que 1. Ah, maintenant c'est que des comme ça qui mettent des gardes. Tiens, attends. C'est qui ce monsieur? Faut le protéger. Ah ouais, si on le protège pas, on s'en fout. Non, c'est qu'en fait il faut pas qu'il y ait des nuits près de lui, sinon il s'arrête, à mon avis. De faire ce qu'il fait, quoi. Alors. C'est vrai que j'ai une esquive, en fait, je devrais l'utiliser. J'ai une esquive, c'est un genre de truc stylé là. Ouais, c'est une esquive plus un coup. En fait, j'ai oublié que c'est ça, c'était une esquive et que c'était pas juste un mouvement de dash. Donc en fait, je suis invincible, normalement, je devrais le faire contre les boss. Quand je vois qu'ils vont me toucher, je fais ça. Calmez-vous! Il m'a fait le coup de la Blanca! Oui, il l'a fait, ouais. Il a fait la boule de Blanca! T'as fait le. Ah merde, 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 merde! Moi aussi! Je joue à beaucoup de choses, c'est pas le problème. Ouais, tu joues. Bah, Et ce qui est bien, c'est que. Tu t'es fixé les objectifs que t'arrives à remplir, quoi. Là, tous les jeux Famicom et tout ça. T'es bien parti, hein. Ouais, si tu joues à beaucoup de jeux. Ça prend du temps, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai que tu prends le temps. Je me suis amusé à faire, tu sais, juste un Excel des jeux que j'ai entamé et que. Et que j'ai pas fini là en stream, là c'est chaud. Parce qu'il y a ceux que je finis hors stream, mais il y en a que j'ai pas fini. Genre Tomb Raider 3, par exemple.
Non, ça c'est parce qu'au bout d'un moment j'en ai marre. Ah, mais ce jeu il s'est aussi lent pour vous. Bah, j'ai fait la première partie la plus facile. Il reste la partie la plus difficile à faire. Donc j'en suis à la moitié quoi. Ah, faut que j'arrive sur le. Parce qu'une centaine de jeux. Après, comme dit, je fais pas tout, tout. Après, il y a des jeux que c'est trop compliqué à faire. Bah, il y en a où tu peux pas comprendre si tu comprends pas le japonais. Je peux pas le faire. Après, les jeux de stratégie, je fais pas de ouf là. Comment il s'appelle Les Nobunaga, tous ces ça va être. Là. Bah, tu peux pas. Genre... Ouais, non, c'est trop compliqué. Ouais, tu peux pas. Parce que tu. Ouais, faut comprendre. Non seulement faut comprendre la langue, mais en fait, faut comprendre en plus ce qu'ils disent. Même en comprenant la langue, ils comprennent pas forcément ce qu'ils disent. Après, qu'est-ce que je fais pas encore? Si, sur Mega Drive, tu vas. Si tu le fais, t'as les Shining Force. Hein. T'as les jeux comme le Mahjong, Shogi et tout, ça non plus. Quoi. Ah bah, normal, c'est normal, tu as pas joué après, aux échecs. Les jeux de sport, ça dépend. Mais après, pour moi, par exemple, un jeu de football américain, par exemple. Ouais, ou même certains jeux, pour moi, ils sont obsolètes. Quoi. Du baseball. Au lieu de jouer aux versions d'après, quoi. Tu vois, genre les FIFA, bon, y a pas FIFA, mais admettons, genre FIFA, si t'as FIFA 80, je sais pas, 2005, ça sert à rien de jouer au 2003. Tu rigoles, mais sur Mega Drive et tout ça, y a des FIFA. Hein. Ouais, après, bah, sur Famicom, je sais pas si tu connais. Y a ISS sur Super Famicom. J'avais FIFA 80, genre 96 ou 80, ils étaient bien, je jouais quand on était gamin, ça m'amusait bien. Ouais, j'avais ISS. 98 World Cup, là, où t'as toutes les équipes du monde, là. Ça dépend les jeux. Après tous les jeux de plateforme, tous les RPG, je les fais. Les jeux d'action. Bah t'es un spécialiste du jeu de plateforme, on peut le dire. Ouais, et des jeux de puzzle, hein. T'as fait des Enigma quand même. Je le rappelle de temps en temps parce qu'il y a des gens, ils le savent pas. Ah, tout en japonais le jeu, attention. Ce monsieur a fait le scénario A de Enigma en japonais. Ouais, c'est vrai. Par contre, ça c'est un truc que je kifferais. Tu vois, faire ou. Parce que tu sais que j'ai failli l'acheter en vrai. Hein. Enfin, je pense que j'achèterai un jour. Et franchement, ce jeu est bon. Hein. Et surtout, c'est un jeu Koei. Et Koei, ils sont généralement jamais de la gueule au niveau de la durée de vie. C'est des jeux d'une durée de vie juste abusive. Ouais, mais alors après, ça dépend. Parce que comme tu dis, ils ont fait pas mal de jeux de stratégie avec Nobunaga et tout ça. C'est beaucoup de ça, ouais. Ouais. Là, ils ont fait forcément, un survival bizarre. Non, mais il est bien. Mais... c'est un survival que j'ai pas et que j'aimerais avoir dans ma collection. Ça, c'est s'il y a un truc que je collectionne, c'est juste les survival. Ça, je collectionne. Et c'est vrai que il y en a quelques-uns en japonais, je pense que je me les prendrais sur PlayStation. Il y en a un qui s'appelle, tu sais, Kowloon. Kowloon, tu sais, ça, c'est vers Hong Kong là. Je sais pas si ça existe toujours ce quartier. Tu sais, c'est un quartier mafieux. En fait, tu pouvais pas y aller quoi à un moment donné. Et ils l'ont rasé à un moment donné parce qu'ils ont eu marre, ça débordait et tout. Les touristes se faisaient agresser. Je pense que t'as pas au moins une base en japonais. C'est ouais, c'est mort. Et celui-là. En japonais, mais je comprends quand même quelques trucs qui me permettent de me dire ah oui, j'ai ça comme objet, je comprends ça. Eh, tu comprends mieux, quand même mieux le japonais que l'anglais apparemment. Oh, non, je dirais quand même pas. C'est l'impression que ça me faisait au début. Quand je te voyais sur Enigma et tout ça, je me suis dit putain. Quand même. Bah, je crois qu'il faut avancer là de l'infini parce que. Ouais, j'essaie d'avancer là. C'est vraiment la merde dans ces jeux, c'est les menus quoi. Si tu comprends rien, t'es tellement. Si tu sais pas ce que tu fais avec les objets et tout. Bah, y a un jeu auquel je jouais dans ma période pirate quand j'étais jeune et insouciant. Je piratais tout. J'avais gravé un jeu de, tu sais, de Naruto, tu vois le manga? Ah. Et bah, il y avait un jeu de plateau. Genre jeu de société Naruto. Et bah, il était excellent. C'était vraiment. Et du coup, tout était en japonais, donc on a dû comprendre. Tu sais, t'es obligé de faire la démarche intellectuelle de comprendre qu'est-ce que fait chaque carte. Et du coup, on connaissait avec un pote et on y jouait. On savait jouer et tout. Et le jeu était vachement riche, hein. Tu peux faire beaucoup de choses. Attention, ça va péter. What? Voilà. Bah, les RPG c'est super cool pour apprendre le japonais. Non, c'est chaud quand même. Enfin, si, si c'est simple. En 10 ans quoi. C'est ça qui est cool. C'est vrai. Après, c'est clair que la base déjà c'est apprendre l'alphabet japonais quoi. C'est merveilleux.
Et aussi les symboles, non? Hiragana, les katakana, les certains kanji, mais à la base c'est... Si t'es habillé en pirate et tout, ouais, je m'avais dit, je vais habillé en pirate, c'est ça. Enigma, jeu de l'angoisse, je l'ai aidé aussi. Ah, Codéine, il dit qu'il t'a aidé pendant Enigma. Je sais pas si c'est vrai. Il m'a soutenu, on peut le dire. Il avait un certain soutien. Je l'avoue. Il était là jusqu'à 7h. Enfin, je crois que c'était plutôt qu'il se levait, quoi. Je me rappelle une fois, j'avais joué toute la nuit un dimanche à 7h du matin et personne avec Codéine qui était là. Il m'avait respecté. Ah, alors, faut ramener des trucs. Ah mais Inigo était super. Enfin le premier scénario était... Après jeu compliqué hein. La fin, le labyrinthe de fin et les boss ils sont atroces dans le jeu. Ah le boss de fin je t'avais vu le battre, ouais. Avec un espèce de magicien là, je sais où. Et quand tu sais que j'ai combien le scénario 20h je crois, hein, un truc comme ça, 20-25h. Et il y a deux autres scénarios encore et après je crois qu'il y en a un qui se débloque. Hein. C'est ça, t'as A et B et t'as après un scénario C, c'est ça? Ouais, t'avais l'anglaise, le japonais, je sais plus quoi. Et Johnny, c'est ça? Je sais plus quoi. T'avais un... Mais prends le truc là, qu'est-ce que tu fais? Faut les réanimer, je sais pas quoi là, faut les. Mais on s'en fout, va prendre ton objet. Laisse-moi réanimer les gens. J'ai plus de soins. Pareil. J'ai plus de soins. Alors, je sais pas ce qu'on fait là, si on essaie de les réanimer. Non, c'est quoi? Récupérer les échantillons. C'est-à-dire le cadavre là, j'ai pas eu d'échantillon. Ah si, j'en ai un sur moi, ok. Si, une fois. Ouais, j'en ai un sur moi. Parce qu'il faut lui ramener, c'est pour ça que ça compte pas là. Ouais, c'est ça. Exactement. Crame. Pourriture. Putain, mais ils survivent quoi. Je vais ici. Ah merde, ça faut le soulever. Allez! Tiens, une brique! Je vous envoie des briques dans la gueule! On a combien? 3? Des canettes là? Des canettes? Ouais, enfin les objets bonus. Et à 3. On a combien? 3? Ouais, 3 sur 7. Bon, par contre, il va falloir qu'il nous drop des frites, hein, parce que là, ça va pas le faire. Il avait une jambe de bois avec une perruche sur l'épaule. Une perruche en paillé. Dans ma période pirate. Je fais quoi avec cette merde là? Faut que je te soutienne. Allez, reste appuyé vers là-bas. Ouais. Hey. Salut! Je pars en éclaireur. Attends, on peut aller dans les chiottes là? Non, oui. Si, mais y'a rien. Ouais, y'a rien. La question, ouais. Merde, je suis tombé tout en bas, mais je crois que c'est pas ici qu'il faut qu'on aille. T'as une canette? Ouais, j'ai vu, ouais. Ça, je peux les rejeter à la gueule là. Oh putain, des frites! Ouais, je te la laisse parce que je suis blindé, mais. Là, je suis... T'es sûr? Mais non, vas-y, prends-la. Oh, tant pis, hein. Pour toi. T'inquiète, je maîtrise. Et mais là, je veux d'abord la canette, hein. T'es là-bas. Ouais, mais elle est de l'autre côté. Ouais, mais il faut remonter et redescendre. Bah, on va voir. Je sais pas de quel côté il fallait. Faut juste pas lui donner les objets. Ah, on peut donner. C'est ça là? Ouais, j'en ai deux. Y'a quoi par ici? Bonne ambiance. Et ça mène où tout ça là? C'est vrai que ce jeu est bien quoi. Ah, d'accord, dans des cages. Des expériences et tout. Là, ça compte pas. Ouais, il est cool ce jeu. En fait, il est vachement coloré. C'est ça qui est cool. Tu vois bien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il raconte ce type là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il fessier. Ah, ou fessier, voilà, compris. On dit pas fessier, ça se dit ça, fessier? Fessier, un fessier, si, ouais. Non, mais ou fessier, dans le sens mettre. Ah, que tu. Ah, non, ça se dit pas. Ouais. Bon, après il invente ce qu'il veut, hein. C'est autorisé d'inventer les mots, hein. Ça s'appelle du néologisme, mais... Ah, vous faisiez. Alors écris bien le français, on dit on faisait, ouais, je sais plus. On faisait, vous faisiez. Ah, on est revenu au début en fait. Ok.
On se tapait des branlettes. Qui s'est pas tapé une petite branlette vite fait entre, entre deux cours là? Ça c'est quand t'as, tu sais, t'as de l'acné, tu comprends pas, t'as trop d'hormones. T'as trop d'hormones, tu comprends pas et tout. Tu sais que tu dois secouer un truc mais tu sais pas quoi. Et après tu comprends. Il y a un sketch comme ça, je sais plus le nom de l'humoriste, où il disait, il voyait son fils qui se, tu sais, qui genre se branlait le bras et tout, et il dit ça va et tout. Et oui, ça va. Il disait mon fils, il savait qu'il devait branler un truc mais il savait pas quoi. C'est la grosse honte, t'imagines ton père il dit ça. Si c'est vrai. Ton père il dit ça devant plein de gens. Y'a pas de problème. Donc le mec il se réchauffait le bras quoi. Ok, donc on a ça. Putain, elle est où la canette qu'on avait trouvée là? Casse-toi là, c'est celle-là je crois. Tu l'avais amené avec toi je pense. Ouais, je pense. Il y en a une deuxième qui est je sais pas où. Ah bah si, elle est indiquée. Ah, je parle de l'objet secret. Ah, il est là. L'objet secret, il est là. Putain, je l'ai vu. Ouais, il est là. Ah oui, à chaque fois que tu dis canette, bah, je pense que tu penses au... Ah, bah quand je dis canette, l'objet secret. Ok, non, j'ai compris. Ok. Il ressemble à une canette. Tiens, tu peux le prendre, j'en ai. Hein. Maintenant, j'ai compris. Hop. Tac. Regarde si on peut pas passer par là. Non, on peut pas. Hein? Quoi? Mais comment on la prend? Je sais pas. J'avoue, là, c'est un peu bizarre. Ça s'ouvre après? Ça sent l'arnaque quand même. Hein. On va se faire tchétchéniser là. On va se faire couscous. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit chez moi. Bah, je suis pas raciste. J'ai le droit de le dire, moi j'ai du sang algérien. Non, mais toi t'es un auto-raciste. Bah quoi, t'aimes pas le couscous? Merde, couscous c'est au lardon. Couscous sur lardon, c'est mon plat préféré, d'accord? T'as comment tu mérites une tarte de dire. Mais pas du lardon dans un couscous, c'est dégueulasse. C'est le gros raciste. Vas-y, je vais inviter des plats de potes arabes, je vais mettre des lardons. De l'échine de porc dans le. Non, parce que tu sais, ça va pas du tout avec quoi, je veux dire. Ah, mais ça doit être dégueulasse même. Ouais, ça doit pas être terrible. Ah putain, je l'ai pas vu cette canette. Ah, on peut sortir par là. Ouais, je l'ai prise. Je prends la canette, je l'ai pas prise. C'est ce que j'essayais de prendre. On peut sortir. Peut-être qu'il y a moyen de contourner là. Pour aller en bas. Voilà. Putain, c'est vrai que c'est cheaté le combo en l'air. Hein. Un petit peu. Comment t'es passé là en haut là? Par en face. Oh vas-y, tiens, bim, dégage. On peut pas là. Ici là. Ah, mais il y a un escalier, je suis con. Je te bais. Un escalier ici. Ah ouais, mais non, mais il y avait rien au fond là. Ah merde. On peut pas y aller. Bon, c'est bizarre quand même. Là, c'est pour après, non? J'espère. Vas-y, je monte. Vas-y. Je suis derrière toi. Je sais pas où on va, mais on y va. Je cherchais le truc bleu là, je sais pas ce que c'est. Putain, ce qui est bizarre, c'est que. On a 2 sur 3. Il y a un autre objet à aller chercher. Ah, d'ailleurs, c'était à l'étage. Je me suis fait arnaquer. Ah, je peux monter par là. Okay. C'est vrai que là, les mobs ils repopent, mais tout le temps. C'est un peu le jeu de l'angoisse quand même. Ouais, il y a une canette ou quoi? Chop. Je fais des sushis. Je sais pas où je suis, mais j'y suis là. T'es pas reparti. Attends, je vais essayer de voir le deuxième objet. Non, ça c'est ça. Ok. Je vais voir si je peux pas checker le deuxième objet. Ah, c'est dans un autre bâtiment le deuxième objet. Ah, ouais, d'accord. Je suis un peu où t'es là. J'ai continué en face. Je te vois plus en. Ah, y'a une arme. Putain, je suis en train de me faire défoncer. Ah, j'ai trouvé le mec. Ah, oh, bah. Oh putain. Faut des soins.
Merde, je peux même pas t'en donner. Bah, je te remettrai la vie si jamais tu meurs. Je vais t'attendre pour la suite. Ouais, quand je trouverai le chemin. En train de me faire agresser. Tu t'en sors? Ouais, j'arrive. Je crois arriver. Je sais pas où t'es. C'est ouf, j'ai pas le radar qui me dit où t'es. En haut. Ah, là, quand t'es. Tu vois, il y a le scientifique. Ouais, c'est vrai. Enfin, je viens parce que là, ça s'excite là. Ça s'excite un petit peu là. Je suis énervé. Ah putain. Qu'est-ce que je prends cher dès que je prends un coup? J'ai pas assez de barre de vie. Je veux une carte frite. La carte frite. Sauf le moment où j'ai des artichauts. Il t'énerve Arcane. Ouais oui. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, il a la rage parce que je mange des artichauts et il en a pas. Eh ouais. On peut pas tout avoir garçon. Ouais mais en même temps il a un budget alcool mais il a pas de budget légumes. Ouais. Il est comme Kyrie là, il mange que des bits de burger. Je vais le rappeler The Arcane 44. The Arcane 44. C'est le regard. Monsieur Arcane 44. Bah attends, là on est en train de se faire baiser, moi. Faut qu'on aille à droite. Vas-y, je te suis parce que je sais plus. Je suis perdu. Je suis comme un petit chaton. perdu dans la forêt. Je vois ça. Je mets des frites, putain de merde. C'est quoi le Jaeger, mais je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? Jaeger Master. Jaeger Master. Jaeger, peut-être ouais, Jaeger Master. Jaeger Master. Jaeger Master. Ça me dit quelque chose. C'est un fromage? C'est vrai que ça a bien le nom d'un fromage, mais je suis pas sûr que ça soit. Ok, alors faut qu'on passe. Attends, reste en bas. Reste ouais, en bas, reste en bas. Il y a un gear bonus. Il y a une canette là, dans les vestiaires. Et là, il y a une arme. Il en manque deux. Ouah, alors slam. Ouais. Merde, ça me fout le feu. C'est hyper dangereux ta merde. Eh, c'est dangereux ta merde, regarde. Ah, c'est de la merde, attends, moi je prends pas ça. je crois que je vais pas le prendre aussi. Hein. Bah alors, on va se tuer. Ça c'est l'arme solo, tu sais, pour jouer en solo. Voilà, ouais. Bon bah il manque, il y a la canette qu'on sait pas comment la prendre. On est d'accord? Allez là! Enfin non, on a un problème. Ouais, j'arrive. Le problème c'est qu'on a toutes les canettes, sauf celle-là qu'on sait pas comment prendre. Et il faut qu'on la prenne. Je déconne pas. Hein. Ah merde, alors on a un problème, ouais. Je l'ai même pas vu. Ah, elle est là, la canette, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Ok. Alors, je sais pas parce que c'est fermé pour l'instant. Donc, on va refaire un tour, on va checker. Et si on peut pas, bah, on déclenche le bordel, quoi. On va le rapprocher, on va pas lui donner. Oh, calmez-vous. Calmez-vous, il a dit. Sur le chat aussi, calmez-vous. C'est de l'alcool, d'accord. Ouais, j'ai déjà entendu ça. C'est autrichien. Ouais.
D'un seul coup, tu sais, il... en fait, il le sait, il fait semblant de pas savoir. Alcoolique, comment, de l'alcool. L'alcool à brûler. Alcoolique, ouais. Ah, j'ai du vin là. J'aime bien. Attends, tiens, je le balance. J'aime bien faire du petit vin avec du fromage, mais le problème c'est que je défonce le fromage et la bouteille de vin avec. Je suis complètement pété là. C'est censé être des dégustations. C'est censé être de la dégustation. Bah ouais, avec le vin. Tu sais, le vin t'en mets un peu pour. Pour que ça donne un peu de boost stylé quoi. Moi, sinon, t'achètes voilà. un vin dégueulasse, de la piquette et du fromage dégueulasse, comme ça t'en manges pas beaucoup. Je le laisse là, ok? Oui, calmez-vous, c'est en bas là. Je laisse là-haut. Bien. Alors comment on y va? Comment on y va? Ouais, mais peut-être que ça va péter ou quelque chose et puis ça va ouvrir. Je sais pas. Attends, on va descendre. Ouais, on va tenter. T'as encore une grenade? Ah, peut-être, ouais, grenade. Grenade stratégique. Et si on descend plus et on passe par en dessous? On pouvait pas, non? Je sais pas, j'y vais. Moi, je tape pas là. Ouais, t'as raison. Ah non, on peut pas. Hein. Non, on peut pas, apparemment. Ouais, peut-être que c'est la suite. Hein. Ça doit être la suite. Hein. Bah, je vois que ça, hein, parce qu'on ne propose rien. Oh, comment ça m'énerve là. En plus, c'est bien là, ça te montre bien qu'il est là, comme ça tu le vois et tu sais pas. Donc, c'est la suite. Putain, j'ai pris des dégâts parce en plus. Parce que sinon, il serait plus caché. J'ai pris des dégâts pour rien là. D'accord, attends. Regarde, il va péter les plantes là. Sûrement. Ah, j'ai plus de balles, merde. C'est pas grave, j'ai tout claqué, c'est pas grave, j'ai mon pouvoir. Au pire des cas. C'est toi qui baille là? Ouais. Bah, vas-y, fais ton aptitude qui sert à rien aussi. On voit ce que ça fait. Ouais. Tu vas faire. Bah, moi, ça met des coups de pêche dans la gueule. Belle plante. Ah ouais, bah on va attaquer celle de gauche hein. Vas-y, je te suis. Les femmes d'abord. Ah c'est vers là-bas. D'accord, on suit la racine. Merci, parce qu'il ressemble à... Ça qui me fait penser ton perso. Ah, yes. Est-ce que tu peux trouver à qui il ressemble ton perso? À qui il ressemble mon perso? Un jeu qui est sorti sur PlayStation 2. Est-ce qu'elle est sur la jaquette? Je pense. Mais c'est un homme. C'est un homme. Un MMORPG? Un homme. Ah, un homme. Tu vas pas trouver. Non, je peux trouver. Hein. Je connais pas mal de jeux sur PS2. C'est un action RPG. Il faut appuyer là, regarde, je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut appuyer. J'arrive. Excuse-moi, je suis pressé. Là, j'ai donné l'indice ultime, un action RPG, on n'a pas 200 sur PS2. Ah, il y en a plein, hein. Action RPG sur PS2. Ah, il y a Champions. Ah, il cherche pas loin, là, c'est super. Champions Return Storms. Il y a une fille dessus, mais elle est. Elle a les cheveux blancs. Populaire, commercial, tout ce que tu veux. C'est pas un truc obscur. C'est pas obscur, Champion Storm, t'as le mec. Il est fou. C'est le action RPG de la console. A 4, tu peux jusqu'à 4 en écran splitté. On trouvera pas. Baldur's Gate. Il y a un truc japonais, bien japonais. Japonais, moi j'ai Valkyrie Profile. Des mélanges. Valkyrie Profile. Ouais, c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. Et qui mélange américain? Disgaea. C'est américain et japonais. Disgaea. C'est ça. Et il trouve pas. J'ai ah non, tu me dis que c'est connu, ça me perturbe parce que moi j'en ai plein en fait des RPG et ils sont pas forcément connus. Ah, c'est connu ou pas? Bon, est-ce que c'est un FF? Je pense pas. Parce que les FF n'ont pas de... Ça se rapproche. Ouais. Parce qu'il y a...
y a quelque chose un peu. Bon, c'est Square Enix. C'est mieux qu'il y a quelque chose. Ouais, même Squaresoft à l'époque. Ah, d'ailleurs, un des derniers jeux de Squaresoft. Ah, truc mèche. Merde. Avec Disney. Voilà. Ouais, c'est Kingdom Earth. Voilà. Et pourquoi ça s'appelle Kingdom Earth? Je sais pas, moi j'y ai pas joué. C'est qui Sora? T'es sérieux? Non, j'y ai pas joué. Achète les collections HD là. Enfin, peut-être un autre qui sait. Ah, Musashi. Ouais, Musashi c'est sur PS1, non? Il est pas mal. C'est sur PS1, non? Musashi? Le premier est sur PS1, le 2 sur PS2. Il y a un 2? Ah bon? Ouais, il y a un 2 sur PS2. D'accord, ok. Ouais, parce que c'est genre les cheveux en l'air. J'avais envie de dire, attends, achète-toi les compiles 1.2 et 2.1. 1.6 et 1.7. Ah, mais tout, il faudrait. Mais je suis sûr, c'est les compilations maintenant qui te la peau du cul, je suis certain. Ouais, ça dépend. Je pense que sur net, pas forcément, mais t'as raison, en magasin, c'est possible. Moi, j'avais refait le. Faut que je fasse le 2, j'avais refait le 1, donc, parce qu'en plus, c'est sur Final. Apparemment, le 2 est mieux, hein. Mais bon. J'avais fait à l'époque, je me rappelle pas du 2. J'ai fait le celui-là qui est rentré, le Chain of Memories qui avait sur GBA là, mais ils ont fait un remake après sur PS2. J'ai fait la liaison entre le 1 et le 2. Ah bon? Ouais. D'accord. Je savais pas. J'étais inédit en France. Sorti au Japon, il y a ça. Ils l'ont traduit et tout, franchement. Non traduit? J'avais fait ces deux. Ils l'ont traduit maintenant avant, il était jamais sorti. Ouais. Bah, je sais pas, je sais que je comprends pas si c'est japonais. Enfin, après j'ai compris. Je me posais la question, je me disais, mais pourquoi leurs jeux finalement sont pas tous en anglais? Enfin, tu vois, qu'ils aient pas l'anglais. C'est qu'en fait, ils sont nuls en anglais. Moi je croyais qu'ils étaient, tu vois. Enfin, ils étaient ouverts et tout ça, mais en fait, les gens lambda, chez eux, ils parlent pas en anglais. Enfin, ils savent même pas. Ils savent même pas parler trois mots en anglais, quoi. Même les Tokyo Heat, hein. Les développeurs maintenant plus, mais c'est vrai quand tu regardes le développement de l'époque, des fois même tu sais les mots à la con, tu sais les erreurs avec le R et le L, des trucs à la con, des trucs ouais. D'atteindre traduction. Et moi j'ai même trouvé un jeu sur Famicom, où il y a marqué insert the fucking cartridge. Oui. Alors, tu sais genre fucking pour eux ça devait être c'est super ou quelque chose, tu vois, c'est un putain de quoi, ouais. Et j'ai vu ça, ouais. Ça passe, tu vois, et c'est Nintendo, il n'y a pas le Seal of Quality. Enfin, sur Famicom, il n'y a pas le Seal of Quality comme en, aux USA. En oui, Europe, oui, pas, ils ont pas vérifié. C'est pas vérifié comme... comme mais c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que chez nous, ils nous interdisaient des jeux parce que... ils étaient peut-être... enfin, en tout cas, ils changeaient les mots. Et chez eux, c'est bon, faut chercher l'assistant, ouais. Alors, Darkwood, Dark Cloud, ouais, je les recherche d'ailleurs, je pense que je reprendrai un jour la recherche. Je cherchais le 1 et le 2 pour les avoir. Parce que c'est deux jeux que j'ai pas et alors ceux-là par contre, oui en effet ils sont collecteurs ceux-là. Moi je l'avais. Ils sont recherchés en tout cas. Parce que c'est des jeux pas tu vois pas conventionnels. Faut descendre je crois. Non ouais faut descendre. C'est pas des jeux conventionnels les Dark Cloud. Attends, je vais chercher l'assistant. Ah, c'est là-bas. L'endroit où on avait libéré. Oh putain, il faut des frites. Bah, j'en ai un stock. Faire des caches, te faire vivre. En tout cas, il y a des grenades. Oh putain, attends, fais gaffe, hein, y a de la... des trucs dégueulasses qui tombent du sol. Enfin, du plafond. Merde, putain, j'ai pris en plein de poids. C'est quoi cet assistant? Oh my god. Ah merde, en plus, y'a un saut à ramener. C'est ça? Y'a un saut à ramener. Bah, reste derrière moi, attends. Fais gaffe. Fais gaffe, quand ça tombe. Ah merde. Bah non, je te le donne pas, sinon tu vas... Tu vas te prendre des gouttes. Ça, tu tapes. Ouais. Il vient pas l'autre cassos. Bah attends, fais gaffe au feu. Il vient pas l'autre cassos. Ah putain, je prends la max. Avec les... Ça, le décor, il fait pas si mal que ça. Tiens, il y a des frites là, sur moi. Oh, nice.
Non, parce qu'il y a des monstres. C'est parce qu'il y a des monstres. Pas bien, faut popper les frites. Ouais, j'ai l'impression que ça va le drop. Le drop, ça va. Tant que tu te bats, ça va. J'ai l'impression. Il fait quoi, l'autre cassos, Sama? Tiens, encore des frites. Vas-y, vas-y, prenez, j'en ai un stock. Cassos Sama, parce qu'il faut casser le truc. Non? Non. Et on a une flèche. C'est, il faut que je prenne le saut, c'est ça? Je sais pas ce que c'est, ça, là. Ah, il faut que tu mettes le saut en dessous et que tu le laisses passer. Non! Si, regarde, il passe pas. Regarde, une flèche. C'est sérieux? Ils sont sérieux? Tu vois bien qu'il y a une flèche. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Je sais pas, un truc comme ça, il veut pas passer. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis en train de me faire rectifier de ouf. Ça marche ou ça marche pas, là? Ça marche pas, c'est de... Ah, attends, d'accord, non, j'ai compris. J'ai compris. Regarde. Tu restes en dessous. Non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il fait, là? Mais merde! Ah non, faut que je fasse ça. Le jeu est breaké. On a breaké le jeu. Il a soft lock. Nice soft lock. GG. Attends. C'est pas possible ça. Regarde, je le tape dessus. Je lui ai envoyé le truc dans la gueule du tuyau. Je peux faire mieux. Ouais, tu sais pas faire. Vas-y, si tu vas se faire, vas-y. Ah, tu l'as mis? Tu l'as mis, tu l'as mis, tu l'as mis. Ah oui, tu comprends rien. Ah, faut sauter avec. Bah, c'est un bouchon en fait. Ah, c'est un bouchon, c'est pas un saut. Ouais, ah, ouais, c'est de la merde. Allez, maintenant il faut que tu le récupères et que tu le mettes. Ouais, je vais prendre. Récupère-le et tu le mets sur l'autre pour la suite. Ah, idée de salopard. Ça, c'est une belle idée de salopard, tu vois. Ça, tu l'as chaque fois passé là. Avec ouais, c'est bon, ok, j'ai compris. Je me suis tellement fait exploser avec ces conneries. Ouais, pareil. Enfin, encore ça va. J'ai encore des bouchons de merde. Cassez-vous, bordel! Oh putain, tu sais quoi, j'en ai marre. J'ai énervé. Attends, je t'en. Merde. On va les attirer là. Y'a personne! Ah ouais, putain, quand j'utilise mon méga pouvoir, y'a plus personne. Je crois qu'ils ont compris, ils sont cassés. Il a dit merde, il va utiliser son méga pouvoir. Oh putain, c'est chiant, il y a un truc tous les 3 mètres. Donnez des frites, putain de merde. Merde. Oh putain, putain, il est mort alors que j'ai niqué mes trucs. Attends, je vais sortir le mien. Les esprits, putain de merde! Allez, allez, prends. Attention, il est loin de toi. Laisse le péter. Ah merde, par contre, j'aurais pu te laisser la frite. Je voulais prendre les munitions pour avoir pris la frite. Il avance votre truc? Non, parce qu'il y a un. Ah non, c'est bon. Okay. Ah, c'est le dernier, c'est bon. Presse pas surtout. C'est comme en France, les gens dansent la lambada. Ils s'y racontent. Nartux a déjà attaqué sa première bouteille.
Oh et puis merde. Il est passé le mec? Ouais c'est bon il est passé. Cassez-vous. Reste en bas, il revient pas. C'est bon? Oh, il faut encore trouver des trucs. Leçon de cuisine. Ah, donc faut buter les mecs. Non, c'est les monstres dans le blender. Ah, faut prendre des monstres. Voilà. Ah, j'ai raté. Mais comment tu les lances les monstres? Avec tirer? Ah ouais. Ouais c'est ça. C'est gore. Ouais faut les exploseurs là. Deux exploseurs là. Ah merde, j'ai plus de triton. C'est pas grave, je les balance quand même dedans. Ça les one shot. Vas-y balance-la, c'est les one shot, on s'en fout. Ah il est là. Explose pas. Attention, explose pas. Oh je l'ai eu. Ouais bien joué. Allez. Cassez-vous. Ah il en fait encore un. Ouais. C'est bien, c'est les one shot. Ah il est là. Vas-y prends-le. Ah merde attends. Oh my god. Ah tu t'es fait blesser merde. Ah merde. Maintenant faut les autres. Oh putain, faut les petits, gros, faut les petits là. Et maintenant. Là, un gros de ouf. Ouais j'ai eu. Oh putain je suis énervé. Hop. Ouais moi aussi. Ah je suis. Oh qu'est-ce qui s'est passé? On est mort? Bah ouais il m'a fait décéder. Ah attends t'es mort. Ah je crois que moi j'étais mort aussi d'ailleurs. Putain j'ai perdu une vie. Attends, je baisse le gros là parce qu'il a trop de temps en dessous. Ouais, faut buter. Il est mort. Faut ramener les petits là au sol là. Ceux qui vont au sol. C'est ça. Franchement, chope-les tous. Balance tout ce que tu trouves. On sait pas. S'en fout. Ah, faut les ceux qui volent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, non. Hop, dedans. Je sais pas lesquels c'est en fait. C'est d'autres qui explosent en vol. Ah, bah, c'est ça. Easy money. Merde. Ah putain. Putain mais je m'y attendais vraiment pas quoi. On va pas le prendre lui et le soulever. Pour le foutre là dedans. Ah il est mort. Non il est pas mort. Ah putain, j'ai pris une patate de l'enfer là. Bah non, je voulais pas utiliser l'attaque spéciale, oh my. Vas-y, balance. Tu fais pas? Ah non, je voulais pas parce qu'elle était pas pleine. Je l'ai crevé. Je l'ai crevé. Je comprends rien, où je suis. Qui je suis. Attention, attention gros là. Enfin ceux qui explosent quoi. Il y a des frites ici. Si tu peux y arriver. Ah c'est bon. Ah merde, faut le protéger pour de vrai, le mec là. Mais putain, mais vas-y, boss. Non. Bordel, il est en PLS le mec alors que. On est là, c'est bon. En même temps, il. Attends.
Ah, la grenade. Voilà. Mais attends, il était combien sont. Attends, si je peux. Voilà. Balance là-dedans, hein, ils ne sont pas chier. Merde. Mais non, mais qu'est-ce que. Non, allô. Oh, putain, mais c'est long, sérieux le nombre de nids. Mais oui, parce qu'il veut pas reprendre le boulot. Attends, c'est une blague. Apparemment ça s'est calmé. Ah voilà, c'est calmé. Ouh. Ça ils ont pas pété un câble. Hein. Le chi il est trop fort. C'est un valeur combo max. C'est 7, tout, moi, tout est dans le poignet. Trop fort. Yeah. On a eu un point de PA et un point de PC. Ouais, ça c'est. Arme trouvée une sur deux, ça pue. Mais ouais, ça fait deux fois. Enfin, trois fois même, je crois. Je sais pas comment on les trouve les autres. Config perso. Ah, alors attends, on peut mettre un point. Ouais, moi je mets de la vie, rien à foutre. Hop, ouais, je mets de la vie. Comment ça marche déjà? Attends, non, c'est pas ça. Aptitude 3PA, on peut mettre des trucs. Alors, est-ce que j'achète la dernière spéciale si Carnage Shin, c'est très en colère. Il tire partout. Ah bah oui, il prend le dernier. Les monstres. Bah, j'ai carrément, c'est carrément, je suis tellement puissant que ça fascine les monstres et ils se tuent eux-mêmes. Ah bon? Rechargement instantané, ça c'est stylé aussi. Alors, Cassie danse et danse encore jusqu'à créer une tornade qui aspire tous les monstres et les fait exploser. Aucun n'en sortira vivant. La classe. Ah, le rechargement instantané, c'est pas mal aussi. Hein. C'est toi qui vois. Ça, c'est quoi ça? Ah non, ah. Je vais faire un spécial de fin. Hop. J'ai pris ça. Sauter avec espace, attraper un ennemi en l'air avec E. Ah, je peux faire des. Je peux faire, tu sais, des pile driver. Je sais pas si tu connais le catch. Je peux faire des pierres tombales. Ouais, je vais pas le mettre, hein. Je vais mettre le. Faudrait que je mette après les jauges de progression là. Les jauges d'aptitude, c'est pas mal. Ouais, bah j'ai pris la tornade aussi. Ça va chier.